formation sur la formation duale, l'alternance entre l'entreprise et le minimum même. Formé par les pères qu'on a installé et le reste des filières. Tous les programmes ont été élaborés avec la participation et la complicité des entreprises de la région. La formation se déroule sur 2 années et elle est sanctionnée par l'obtention d'un diplôme d'État, diplôme national. Alors, si vous permettez. Les femmes d'abord. Et le président. Les Allemands appellent la formation par objectif. Pratiquement, c'est l'approche de l'an 30 ans. Toutes les formations se font en pratique, donc les jeunes ils ont des cahiers de charge. Ils vont travailler en continu. La durée d'alternance, le rythme d'alternance, c'est 3 mois ici, suivi de 3 mois dans l'entreprise, jusqu'à l'achèvement des 2 années. Nous avons un autre rythme d'alternance pour les électriciens, qui est de 4 jours dans l'entreprise et de 2 jours à l'établissement, on va les voir. C'est exactement les équipements qu'il y a dans l'année. On travaille avec des équipements pédagogiques qui sont adaptés à ce qu'on retrouve dans les entreprises. C'est une exigence des entreprises. Et au cours de leur séjour dans les entreprises, nous réalisons un encadrement, donc un suivi par nos techniciens, nos conseillers qui vont dans les entreprises pour voir ce qu'ils font et notamment pour essayer un petit peu d'adapter le programme de formation à l'entreprise. Chaque stagiaire doit réaliser son objectif. Cette évaluation à la fin, si elle est validée par le formateur que j'ai fait, on doit faire une connaissance et une appropriation des compétences par les jeunes.